Eh bien salut à toutes et à tous, il est 8h44 du matin, il est 16h, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis très content de pouvoir vous la faire, c'est une rediffusion en fait d'un live que j'ai fait sur le serveur Craftventure, ça y est j'y suis retourné ce serveur parc d'attractions, ça s'est super bien passé, c'était une très belle soirée, j'ai découvert toutes les attractions qui sont du coup disponibles sur le serveur, évidemment l'IP est dans la description, j'espère que vous allez passer un bon visionnage en regardant cette vidéo, j'ai vraiment tout compilé, ça dure une vingtaine de minutes et c'était vraiment super agréable. Vous allez très vite comprendre la problématique, c'est que les attractions sont tellement bien que même les attractions qui sont sympas, vraiment, il y en a que j'aime moins que d'autres parce que il y en a qui sont incroyables. Donc voilà, ne faites pas genre que je suis en train de critiquer ou quoi, c'est juste que vraiment, ils ont poussé le niveau assez haut pour que je puisse dire que certaines attractions me plaisent un petit peu moins. Et puis après, de toute façon, c'est mon avis. Mais bref, on a passé un super bon moment, les attractions sont incroyables, vous allez le voir. Je vous souhaite un bon visionnage, on se retrouve en live tous les soirs environ vers 21h21. 1h15 sur Twitch, twitch.tv/mcolooff, c'est également dans la description. N'oubliez pas le pouce bleu à cette vidéo et bon visionnage, c'était Mcolo, let's go! À tout moment, je peux la remettre. Hein. À tout moment. Oui, il y a des canettes de... Il pleut des canettes de Red Bull sur le stream. Mais c'est trop cool. Voilà, du coup, c'est parti. On va directement aller sur Element Thailand. J'ai vu qu'il y avait Dibix et Roros qui m'attendaient. Bah tiens, ils sont... Oh, ils me font un petit accueil. Regardez-les. Salut les cocos. Ils sont assis, mais c'est génial. Ça fonctionne maintenant, le slash site. On va se raconter des histoires autour d'un petit feu de camp. Voilà, on se fait des petits plaisirs. C'est incroyable. Le petit slash fly que je connais, mais juste pour les narguer. Alors, les frérots, ça va ou quoi? Non, parce que du coup... Non, par contre, les gars, j'ai des coupures de lumière. Allez, c'est parti, on va découvrir, les amis, le temple maudit. Et ça va être méga stylé. Bah, désolé, Roros. À chaque fois, Roros, il fait les attractions avec moi, mais là, il s'est fait... il s'est fait avoir. Sa mère. Oh, le looping. Oh, ça va trop vite. La vérité, ça va trop vite. Ah, quand ça bug pas, c'est nickel. Oh là là. Je comprends rien. Et on sort. Wouah. C'est mardi. Ah ouais. C'est... Et là t'es mort, hein. Ah ouais, c'est chaud. Non, par contre, ce qui me fascine, les gars, par-dessus tout, synchronisation avec la musique et l'attraction, c'est juste ça. Ça rajoute un truc incroyable. Avec tous les loopings qu'on a fait, les gars, on est mort. Hein. Oh, c'était stylé de ouf. Oh, il y a un passage secret. Ils ont fait un passage secret. Ok, en plus, il y a des easter eggs sur le serveur. Eh ben GG. Là on est donc dans le land de la vie. On a pu découvrir le raptor, le dino adventure et le temple maudit. L'évolution, je crois qu'on l'a fait. C'est les tacos, on l'a fait. C'est voilà l'attraction la plus merveilleuse selon moi. Voilà, c'est ça. Sky. Ouh. Ah mais attendez, c'est les balançoires. Ah oui, c'est juste des balançoires. Ah oui, non mais les gars, je vais pas faire ça. C'est juste les balançoires. Allez, on va faire, c'est pas grave. C'est les balançoires, le petit classique, les gars. Et avec, à côté de moi, bien évidemment, Roros, le boss. Bien... Oh, ça monte, forcément. Waouh, c'est beau. Ah, c'était peut-être une bonne idée, en fait. Putain, c'est super haut, la vérité. Par contre, ouais, t'imagines... C'est ça, ce que j'aime avec les parcs d'attractions qui sont pas basés sur une réalité. C'est que c'est incroyable. De base, la hauteur du truc, incroyable. Là, t'imagines dans la vraie vie. Oh, ça y est, on est tout en haut. Ça y est, Bartex qui veut faire le boss. Merci pour les 28 bits. Ça y est, c'est fini, ça redescend du coup.
on repart en douceur. C'est incroyable. Là, je pense que t'as le temps de mourir environ 5 fois. En fait, ce parc d'attraction, c'est si tu meurs dans chaque attraction, j'ai l'impression. Parce que j'ai déjà fait la remarque dans une vidéo où je découvrais le. Je sais plus le nom de l'attraction, mais genre ça part à toute allure là. Mais ouais, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux, hein, les gars. Hein. Ils ont fait un taf monstrueux aussi, les builders aussi, hein, bien sûr. On est dans le monde céleste. Oh putain, adieu. C'est bon. On est dans le monde céleste, ce qui signifie donc, bah voilà, hein, ce qui explique pourquoi on est un peu dans le ciel, pourquoi c'est majestueux. Non mais regardez-moi cette hauteur. On va lancer, eh ben, le griffon. Alors si c'est une référence à Harry Potter, vu la musique, c'est une référence à Harry Potter. Bah je ne connais pas, je n'ai pas les références d'Harry Potter. Voilà. J'espère que vous m'en voulez pas. Merci beaucoup. Et c'est parti, ça commence. Ça commence et ça monte. Coucou Mkolo, comment vas-tu? Sympa la vidéo ETS de cet après-midi, tu m'as trop fait rire, t'étais en mode cache-cache avec la police quoi, et c'est la première vidéo que je regarde jusqu'à la fin, tu gères. Ah les autres, tu la regardais pas jusqu'à la fin? Hein? Quand même, merci beaucoup, c'est bon, je suis jalouse là, mais non Alicia. Et salut The Best 096, bienvenue, merci pour le follow. Putain, vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Incroyable. Et par contre, c'est une attraction enfantine, je viens de capter. C'est trop bien fait. C'est tellement doux. C'est tellement doux. Mais c'est d'une douceur. C'est... T'as juste envie de manger une petite glace à la vanille. Voilà. Voilà. Y a pas de... Voilà. C'est fini, Roros. On a passé encore une fois un agréable moment ensemble. Juste un truc qui est regrettable, peut-être. Wow. C'est que, ben voilà, le parc d'attraction est gigantesque. Il est... j'aime pas dire irréaliste. C'est quoi le synonyme de irréaliste, mais pas péjoratif? Fantastique. Ziwix. Ziwix, c'est toujours le mec. Fantastique. C'est un parc d'attraction ou fictif aussi, mais c'est vrai que c'était fantastique que j'avais en tête. C'est un parc d'attraction qui est majestique, qui est fantastique. Je ne sais plus ce que je dis, donc pas réaliste dans le sens concret. Du coup, ce qui est peut-être embêtant, c'est qu'on peut pas vraiment se promener. Genre, bon, il y a des panneaux qui nous disent voilà, là-bas il y a le Zeus, mais je pense que c'est difficile de s'y retrouver. Et donc, bah, on se permet de se téléporter. C'est peut-être un petit truc qui est juste un poil dommage. On va se faire Light of Speed. Dès maintenant, mais en tout cas voilà, heureusement qu'il y a les téléportations et franchement c'est vraiment super cool comme parc et ce qu'ils ont fait quoi. Hey, la file d'attente est sur la droite, d'accord. J'aime bien les files d'attente qui sont comme ça, bah comme à l'Europa Park en fait quoi. T'es dans des décors avant d'être bah pile à l'attraction quoi. Ah, je suis pas tout devant, c'est pas grave, c'est... Oh il est trop, c'est des amours, vous êtes des amours, hey, mes abonnés sont les meilleurs, vraiment hein. Je vous kiffe, merci les frérots. Oh, j'adore quand on est dans une ambiance comme ça. Waouh, on vient de se tourner. Les sièges viennent de tourner. Ah non, pas du tout. Non, non. C'est dans ma tête. Oh, il y a une photo. Ouh. Oula. Mec, ça va méga vite. Ouais. Ça va un poil vite quand même là, hein, si je puis me permettre. Hein. Je sais pas si c'est normal. Hein. Oh, là, c'est très sympa. Ouais, enfin, bizarre, c'est allé vachement vite, quoi. Il y a des bruitages normalement. Eh, j'ai vraiment pas de chance avec ce serveur. Hein. Maintenant, on va s'occuper du Zeus. Oh, l'animation est Sartek, hein, comme disent les Legends. Ok, sympa. Oh, et puis voilà l'attraction qui arrive. C'est très sympa. Hein. Salut, Wazi. Non, mais Wazi, il est tout le temps là-bas. Ah, mais je peux y aller aussi si je veux. Regardez, je suis un petit thug. T'as cru que c'était Noël ou quoi? Regardez, moi je vais me mettre là. Hein, c'est tout aussi bien. Tu es le meilleur youtubeur streamer du monde. Merci beaucoup, RSFamily62. C'est super sympa. C'est très gentil. C'est faux, mais c'est très sympa. Merci beaucoup. Oula, il y a de l'orage. Celui qui contrôle la foudre. Ce jour est votre dernier. Votre misérable univers va disparaître. Et vous, avec... Ah voilà. Eh, hey, c'était très peu rassurant quand même.
Ça m'a vraiment fait penser au train fantôme à la fête foraine, les gars. J'étais pas trop bien. Oh, adieu. Ah. Yes, c'est énorme. Oui, et là la rapidité est vraiment bien gérée. Le looping. Nom de Zeus, aurais-je envie de dire. Ouah, mais c'est excellent. Ah ouais, on passe dans l'eau et tout. Ah ouais. Non, là par contre c'est bien fait. Les attractions sont faites sur un vrai logiciel de simulation. Bah c'est vraiment bien fait. Ah mais c'est fini. Ah c'est fini. Ah d'accord. Mais c'est génial. Et après ils rentrent là-bas. Mais attendez, il y a trop de Attendez, mais c'est fini. Speed exit. J'adore, j'adore. C'est trop bien fait. Et on va faire du coup le Pégase. Ah tout d'accord, le clin d'œil du Pégase. Du Pégase. Oh c'est stylé, regardez, c'est des avions. Ouah, salut. Merci pour la petite canette de Red Bull là qui vient de me passer devant le nez. Là pour moi je suis un Pégase. Je vole. C'est d'une douceur aussi. Ouah. Mais non. Est-ce que vous sentez cette vibe de Ok, j'avoue, j'ai eu les frissons, ok, voilà, vous voulez le savoir. J'ai eu les frissons. Mais c'est d'une majestuosité. C'est d'une majesté, je sais pas comment on dit. Oh mais les gars, mais c'était incroyable. Dès la première, tu sais, une fois que ça a descendu, que ça a remonté, j'ai senti, tu sais, ça ralentit et... Majestueux. J'ai dit quoi moi avant? Majestique. Franchement là maintenant, quand je sais du coup, là c'est Oisy qui m'a dit ça, que ça a été fait avec un logiciel de simulation, je sais pas quoi, bah là, ouais, ça se ressent quoi. Je veux dire, là c'était vraiment... Vous allez me prendre pour un connard, mais je... Wow, j'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé. Allez, Technical Tension, il y a Clockworker, Black Hole et le Hamilton versus Vettel. Et c'est le Black Hole que je suis pas prêt apparemment, donc très bien. On va faire le Technical Tension, des tensions techniques. Bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre file d'attente de l'attraction Technical Tension, une attraction calme et reposante. Le robot nous a dit que c'était une attraction calme et reposante, mais selon moi, c'est des conneries. Hein. On connaît cette attraction, c'est bon, je la connais déjà. Oui, ça va être vraiment très reposant, il me semble, en fait. Très clairement. C'est parti. Ah là là, la classe. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis votre assistante vocale. Et je vais à l'attraction Technical Tension. Merci de garder vos bras et jambes à l'intérieur de l'attraction. Ah, il y a un problème technique. On est bloqué. Comment ça en enfer? On bascule en arrière. On est à l'envers. Oh là là. Oh les tonneaux. Je comprends rien. C'est excellent. C'est vraiment devenu... C'est plus que des attractions, c'est carrément des spectacles. Je m'excuse totalement et vous souhaite une très bonne journée dans notre parc élémentaire.
C'est trop stylé. Ensuite, Clockworker, let's go to the Clockworker. Hé, hey, toi, va travailler. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon usine. Je suis nouvel ouvrier sur cette usine. Ah oui, j'oubliais. Mon nom est Hector Harrison. Et aujourd'hui, mon patron m'a demandé de réparer cette machine. Ça va pas être de la tarte. Bon, je vais chercher ce milieu là et... Je suis un enfant de 5 ans qui rigole à des blagues. Non. Très joli cet arbre en tout cas, mais la musique elle me fait trop rire, je sais pas pourquoi. Ouh. Ok. Oh, mais c'est un reverse. C'est un... Ouh. La photo. Ah non, c'est pas du tout un reverse. Ok. Ah, on était à l'envers. Et là on a les bruitages. Trop bien fait. Et là on tourne. On va faire un beau petit tonneau. Là on est vraiment dans le monde des horloges hein. Mais non. Ah non, bah non. C'est déjà fini. Non là par contre j'avoue je suis triste. Bienvenue sur la Elementary Space Station. On descend, c'est incroyable, une sorte de petit ascenseur Ok. Zivix, le figurant. Mais c'est quoi ce... C'est quoi de ce truc? Wow, mais c'est quoi cette file d'attente du Turfu là mon pote? Black Hole. Ah bah là tout de suite ça me fait penser à Europa Park, l'Euromir. Jusqu'à ce jour, il était impossible pour nous de voyager au-delà de notre système solaire. Mais grâce aux nouvelles technologies, le voyage est maintenant possible. Aujourd'hui, après tant d'années, ce rêve est maintenant réalité. Nous pouvons aller au-delà du système, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Au-delà du noir total. Grâce au module BH, nous pouvons enfin voir la face cachée d'un trou noir. Mais pas n'importe quel trou noir. Il se nomme TON 618. Jusqu'à ce jour, c'est le plus puissant trou noir jamais enregistré par l'homme. Ce trou noir fait plus de 66 millions de fois la masse du Soleil. Votre mission, si vous l'acceptez, est de plonger dans ce trou noir, afin de voir enfin ce qu'il se cache derrière ces géantes orbes menaçantes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon voyage. Bah ça tombe bien, ça commence à me manquer personnellement de m'enfoncer dans les trous noirs. J'adore, je kiffe l'ambiance. Et on est parti, direction vers l'infini et l'au-delà, aurais-je envie de dire finalement. Ok, on est prêt. Wow, ok. Tout est paré pour le lancement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On y est, l'espace. Wow. Ça dépasse tout ce que j'imaginais. On doit se concentrer sur la mission. Soyez vigilants dans l'espace, c'est dangereux. Oui, tu as raison. On va percuter un champ d'astéroïdes. Un de l'astéroïde. Ah, Jupiter. Maintenant, on n'a plus qu'à déployer le module BH. Ok, James, prépare le module. Ok. Jesse, lance le module à mon top. Top. On perd le contrôle. What the fuck?
C'est quoi ça? James, dépêche-toi! J'y arrive pas! On n'a plus le choix, on doit se laisser entraîner avant en mettant les gaz. Bon, ah, vous savez, les goûts et les couleurs, on peut pas les contrôler. Hein. S'il y en a, ils aiment le bleu, d'autres qui préfèrent le rouge. On va pas faire une guerre mondiale parce que les gens préfèrent le rouge ou le bleu. Je vais vous dire très sincèrement, je suis pas déçu ou quoi, mais c'est vrai que tu m'avais vendu du rêve, vas-y, avec cette attraction-là, mais c'est pas l'attraction qui m'a le plus plu. L'idée était sympa, et voilà, c'était stylé d'avoir vu voilà, la Terre et tout, comme c'était fait. Voilà. Niveau musique, trop cool. Comme d'hab, les voix, bien fait. En fait, la mise en scène, tout était bien. C'était juste au niveau visuel, j'avoue. De toute façon, sur ce parc d'attractions, c'est incroyable ce qu'on y trouve. Hein. Donc forcément, j'aurais quand même des préférences parce qu'il y a énormément de choses qui sont dingues. Bah écoutez, on va terminer avec le Hamilton versus Vettel. Me vendez pas trop de... Ah bah la petite Formule 1 et tout. Ça me fait penser forcément aussi sur Europa Park à... Bah vous connaissez quoi. J'ai oublié le nom. Et bah on va partir sur Vettel. Oh, je pensais que ça allait crisser les pneus. Wesh, c'est la patrouille de France ou quoi? Eh les gars, c'est pas une course là, c'est la patrouille de France qu'on est en train de faire. Waouh. Les gars, c'est un spectacle de la patrouille de France. Oh, la musique elle me fait peur. Le mec qui s'occupe des musiques sur Elementary Land, il s'est fait un petit kiff. Il s'est dit tiens, je vais cut le pattern. Qui va gagner, on se demande hein. On se le demande tous hein. Oh le bâtard. Défaite. Comment ça? Est-ce que la lumière remarche? Oui, elle remarche! Yes! Mais ça fait vraiment l'univers. Ouais, GG à tout le staff. Hein. Encore une fois, faites remonter tout ça. Ça commence à me casser les couilles, la lumière qui s'éteint là en fait. Genre juste, je vais péter un câble en fait. Merci d'avoir suivi ce petit live. Mine de rien, 1h19 de live. Ciao, ciao tout le monde, c'était Mkolo. Bonne nuit à tous. Salut! Tu veux jouer, je suis là. Créo, je veux plus qu'on se carréo.